Bonjour à toutes et à tous, c'est Zygmar France. Bienvenue à tous dans cet épisode 3 sur Pikmin, les gens. J'espère que vous allez bien, les gens. Moi, ça va super. Écoutez, je vous fais maquer avec mes doigts. Mamma mia. Enfin bref, épisode 3 de Pikmin, jour 3 de Pikmin 2, les gens, ça fait plaisir, les gens, voilà, où dans le dernier épisode, nous avions exploré une grotta et nous avions fait la connaissance avec de nouveaux Pikmin, les Pikmin violets, et ça, c'est incroyable, les gens, ça, c'est incroyable, les gens, et sans plus tarder, nous allons aller dans la nouvelle zone, voilà, nouvelle région, forêt de réveil. Alors, on fera le 100%, on fera potentiellement le 100%, les gens, si on a le temps, voilà, on fera potentiellement le 100%, mais ça sera plus tard. Ça sera plus tard, du coup, le, bah, plus tard le 100%. On fera le 100%, c'est sûr, mais pour faire le 100%, il faudra qu'on retourne dans les zones. Là, pour l'instant, on va juste continuer le lore. On va aller dans ces zones et tout ça, et puis on verra pour la suite. Alors, voyons voir. Encore vous ? Incroyable ! Bonjour, sachez que les Pikmin violets sont en sécurité et se reposent dans ma soute. Mon environnement interne leur convient parfaitement, sauf qu'ils me chatouillent parfois. Placez-vous sur le cercle vert sous mon vaisseau et utilisez A pour sortir les Pikmin violets. Ok. Donc en gros, on peut sortir les Pikmin violets. Ok. Bah oui, on va voir ça. Ah oui, ok, donc ils sont là. Ok, donc là, on va sortir les Pikmin violets, les gens, et on va sortir les rouges. Parfait. Alors attends, déjà une question que je me pose. Une question que je me pose, déjà, pour commencer... Louis, Olimar vous a-t-il expliqué comment utiliser les Pikmin? Ouais, donc ça, on connaît aussi, ça. On connaît aussi! Oh, attends, quoi? Oh, attends, quoi? Pardon. Vous ne le saviez pas, Olimar, je vous rappelle que vous deviez le former, le nouveau employé. Quoi? Attends, quoi? Je viens d'entendre quoi, là? Attends, donc c'est-à-dire, je fais ça... Mais c'est putain de pratique, ça! Mais pourquoi j'avais pas ça dans Pikmin 1? Ou alors je l'avais et que je suis juste trop con. Enfin bref, bah du coup, c'est très bien. Du coup, attends, je vais pouvoir faire une expérience. Attends, du coup, je vais pouvoir faire une expérience. Attends, hop, prends ça, toi. Tu l'amènes où, toi? Non, attends. Je crois qu'on s'est pas bien compris. Voilà. Hop, amenez ça, vous. En attendant, vous allez amener ça. Si vous les amenez, vous les amenez où? Vous les amenez là-bas, d'accord. Non, attends. Ah non, ils les emmènent chez les rouges. Ok, donc en fait, ils aident les rouges à emmener les machins. Ok, bon, bah du coup... Je sais pas si on peut les faire reproduire les Pikmin volés, les gens. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On verra bien. On verra bien. En attendant, on va casser la gueule à lui, là. Ok, parfait. Voilà, parfait. Donc là, il y a une fraise, impeccable, les gens. Et en vrai, on se débrouille pas mal, là, du coup, pour ces trois premiers épisodes. Hop. Parfait, toi, tu vas péter ça aussi. Voyons voir la suite. La suite, j'ai l'impression que ça se continue là-bas. Ah non, ça continue pas là-bas, ok. Donc alors attends, si ça continue pas là-bas, ça veut dire que ça continue de l'autre côté. Ok, donc il faut aller de l'autre côté. Ah mais il y a un palais là. Putain, j'avais pas lu le palais. MDR. Oh, des méchants. Oh, les méchants pas beaux. Ok, parfait. Quoi? Attends, du coup c'est pas là-bas.
Attends, il y a un problème là. Ah non, attends, c'est là-bas. Ah oui, c'est là, putain, j'avais pas vu. Ah, mais il y a des trucs sympas là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, donc on a une fraise. On a remis une fraise, est-ce que du coup ça s'appelle baie ensoleillée? Baie ensoleillée, mais c'est parfait ça, mais incroyable, les gens ils ont repris les noms de... Incroyable. Vous avez récupéré 10% de la dette, incroyable. Donc là, attends, on va faire un truc. Ça, c'est quoi, ça? Attends, on va mettre un Pikmin là-dessus. Non, pas les violets. Attends, là, voilà. On va mettre un rouge ici. Et on va mettre un rouge, là. Hop, on va voir ce qu'ils font. Nous, en attendant, on va aller là. Voilà, taper ça. Parfait. Et avec lui, on va pouvoir aller là-bas. Ah, mais là-bas aussi. Ah, mais non, mais de toute façon, il va nous falloir les bleus aussi. Ok, donc c'est parfait. Donc vous, je vous récupère tous. Bon, du coup, en fait, ce qui m'embête, c'est que du coup, je peux pas faire reproduire les violets, en fait. Ah, ou alors, peut-être que si je retourne... Oh, attends, les gens. Eh, ça se trouve, si je retourne dans la grotte de la dernière fois, je peux peut-être faire transformer des rouges en violets. Ça se trouve, j'en sais rien. Peut-être que je te raconte n'importe quoi. Bon, ça, c'est quoi, ça? Bon, allez, allez-y un peu plus, là. Et vous allez péter ça. Ok, parfait. Ça, j'ai l'impression que c'est les baies piquantes, là, que j'ai vu dans Pikmin 3. Attendez, récupérez ça. Ok. Bon, on verra ce que ça donne. Ah oui, toi. J'avais oublié, toi. Et bah, parfait! Ah, et du coup, toi, tu es qui? Incroyable, cette baie rouge contient un suc très épicé. Elle n'a aucune valeur marchande. Mais je sais que je peux lui trouver des domaines d'application. Pour cela, j'ai besoin d'un autre échantillon. Bon, il va arriver l'échantillon, les gens, ne vous inquiétez pas. Ah, et ben là, du coup, on a l'accès aux Pikmin fleurs, du coup. Donc, on rappelle, dans Pikmin 1, les Pikmin fleurs, en gros, c'était des Pikmin un peu plus puissants et un peu plus rapides. Et quand ils mouraient, ils pouvaient faire germer d'autres Pikmin. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça? Ouais, donc elle rappelle. Ouais, ok, bon, c'est bon, on a compris, du coup. C'est bien ce que je disais. Donc là, du coup, on a des nouveaux Pikmin. Et là, du coup, vous avez pété ça. Parfait. Et là, du coup... Parfait. Donc là, du coup, on a la suite. Mes recherches sur les baies rouges ont donné une potion très puissante. Le spray épicé. Bien que ce soit un prototype, je suis convaincu qu'il y aura des effets spectaculaires. Vous vaporisez-le sur tous vos Pikmin en appuyant sur bas, sur Manette Plus. Sachez que je peux produire un spray à partir de 10 baies. Ouf. Contactez-moi avec Start sur l'écran du radar, appuyez sur L pour avoir un aperçu des sprays. Ok. Donc on a un spray. Ok, parfait. Bon, on verra tout à l'heure, peut-être qu'on en aura besoin. On va pas l'utiliser pour l'instant, en gros, le spray épicé, les gens, ça permet de booster Pikmin et c'est sympa. Ah, mais là-bas, on a encore un palais, MDR. Ok. Ok, donc on a le mur qui a été récupéré. Ah, il y a des bestioles encore! Ok, parfait. On va pas aller ramassez-moi ça. Ok, parfait. La suite, c'est par là-bas. Oui, c'est par là-bas. Ok, on va là-bas. Ah, mais du coup, ça a été régénéré. Ok. Donc, on a 92 Pikmin. Ok, parfait.
Oula. Il a failli tuer un violet, lui. Ouais, là, du coup, hop, on a 100 Pikmin sur le terrain. Du coup, tu peux plus. Voilà, c'est ça. Olimar, nous avons un problème. Le lion a cessé de produire des graines. Serait-il en panne? Intéressant. Il semble que la population a augmenté à l'intérieur de l'oignon. Aviez-vous remarqué qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain? Oui, on a déjà remarqué ça dans Pikmin 1. Mais je n'en compte que 95. Y aurait-il les Pikmin sauvages quelque part? Ah! Ça, c'est une possibilité. C'est une éventualité. C'est une éventualité et potentiellement qu'ils sont là-bas. Donc là, il faut être combien? 200! Attends, mais est-ce que je vais réussir à mettre les 200 là-dessus, là? J'ai pas réussi à mettre 200 Pikmin là-dessus! Bah non, il nous en manque un mort, là. Bon, il nous en manque, donc on peut pas passer pour l'instant. Voyons voir la suite. Là-bas, là. Là-bas, ça avait l'air intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un boss! Il y a un boss! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh la vache, mais il fait peur lui. On a besoin de renfort. On a besoin de renfort. Ok, ok. Incroyable les gens. Ok, donc on a notre premier boss, donc je pense que notre spray va être très utile. Non, je me suis trompé. Attends, donc le premier boss, il était donc par là. Donc il va falloir qu'on aille taper des gens. Attends, que je regarde. Putain, je vais pas dans la bonne direction, c'est là-bas. Eh bah, frère, c'est où? Putain, c'est là-bas, merde, je suis con. C'est là-bas. Donc là, à mon avis, les gens, notre spray va être très utile. Face à ce boss. Il est là. Ok, parfait. Donc là, du coup, ça fait quoi? Donc c'est ça. Donc le spray épicé, les gens, du coup, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça fait, et bah ça fait tout simplement ça. Incroyable, les Pikmin ont la tête qui brille et ils sont tout agités. Incroyable, les gens. Ils sont tout excités comme des puces. Effectivement, comme la Jenny dans le Nintendo Direct de Mario Kart 8 Deluxe. Glace. Le spray épicé augmente la vitesse et la puissance d'attaque des Pikmin. Quelle découverte. Ok, vas-y, go, 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 go. Parfait. Ok, parfait, parfait, parfait. Pardon. Je suis en train de me farcir une glace en même temps. Bon. On va voir si on peut réussir comme ça. Ok. Ok, ok. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est bizarre, ça. Ok, ok, ok. Donc ça, apparemment, je ne peux pas pour l'instant. C'est bizarre. Ah, mais on a une grotte ici! Hmm.
Mes senseurs biologiques s'emballent, je suis pas très rassuré. Une bête de force indéterminée est tapie dans cette profondeur. Emmenez une armée de Pikmin. Ok. Mes senseurs ont capté des cris terribles. Attendez-vous à faire d'affreuses rencontres. Mes senseurs ont aussi capté des températures très élevées. Emmenez les Pikmin infinis. Manquerait-il des données? J'ai quand même envie d'emmener des violets avec moi. On verra ce qu'on fera. Mais de toute façon, là, je peux rien faire de plus. Donc, je peux rien faire de plus parce qu'en fait, il nous manque des violets. Je crois qu'il y a un des violets qui sont morts tout à l'heure. Donc là, on va juste récupérer les Pikmin de tout à l'heure. Voilà. Ah merde. Ok. Et puis bah du coup on va y aller hein, écoutez les gens. On va y aller. Par contre attendez, je regarde un truc. Oh, attends, quoi? Les gens, je viens de voir, on a un oignon là. Les gens, on a l'oignon bleu. Mais quoi, MDR? Mais la blague! Attends, si on continue là-bas, on aura l'oignon bleu. Attends, que je regarde. C'est ça, putain, on va avoir l'oignon bleu, en fait. Si on détruit ce passage, on a l'oignon bleu. Ça fait plaisir, les gens. Bon. Continuons là-bas. Par contre, qu'est-ce qu'on va récupérer là-bas? J'en sais rien. Entrez dans ce trou avec vos Pikmin. Ok, donc là, il nous demande des Pikmin feu. Gîte des bêtes. Oula. Ah. Ok. Ah, fuck. Bon. Ouais. Ok. Bon, attends que je regarde vite fait. J'ai l'impression qu'on a à faire un petit labyrinthe. Ah mais encore une bébé, il y a encore des bestioles là. Oh! Pierre de gloire. Une monnaie de plus. Ok. Moi, j'aimerais bien que vous récupériez ça. Donc ensuite, on a ça. Et ensuite, ça va là-bas.
Ok. Bon, ensuite, là-bas, c'est un cul-de-sac. Ok. Donc, c'est-à-dire que la suite continue là-bas. Bon, on va attendre que la compagnie arrive. Bon, on est parti pour la suite. Fouillez le sous-niveau suivant avec les Pikmin, oui. Et j'ai fini ma glace. Si c'est pas formidable ça. Alors, voyons voir. La suite. Ah. Ok, donc on a une suite. Donc là, on a rien. Ok, donc c'est-à-dire que ça continue là-bas et là-bas. Oh. Que vois-je là-bas? Ah, mais c'est formidable, ça! Allez, on peut refaire des Pikmin violets. Let's go! Et bah voilà les gens! Ok, c'est bon, on a nos Pikmin violets. Donc c'est-à-dire que potentiellement dans cette zone, on va bientôt avoir nos Pikmin bleus. Parfait! Attends, on a... Oh quoi? On a une suite là-bas, mais MDR! Ça fait que ça là-dedans! Donc ensuite, là... Bah là, après c'est tout. Ok, donc la suite, ça irait là-bas. Mais avant, je vais aller voir là-bas. Donc apparemment on a 3 sous-niveaux. Ah non, c'est tout. Ok, autant pour moi. Bon bah écoutez. Écoutez les gens, on est parti hein. Allez hop. Here we go, comme disait le plombier moustachu, Mario. Gîte des bêtes, sous niveau 3. Ah. Ah, j'ai l'impression qu'on peut les taper. Ok. Donc alors attends. J'ai l'impression qu'on peut briser ça. Ok, donc j'ai l'impression qu'on peut briser ces machins. Bah écoutez, on va briser ça. Hein. C'est quoi ça? Oh shit! Ah, ils sont en train de brûler! Ok, parfait, on a un truc. Ouf! Ah! Le Pikmin violet qui crame, pas fou ça! Les Pikmin souffrent! Appuyez sur B pour utiliser. Peut-être pour les sauver, ok. C'est dangereux. Ok, parfait. Ok, est-ce que c'est bon? Oui, on a une disquette. Parfait. Ok, et là on a une suite. Ok. Bon, bah transportez-moi ça du coup, hein, écoutez. Hop, soyez nombreux. Bah ça du coup, ils l'ont récupéré. Il l'a récupéré, c'est parfait. Écoutez. Donc là, nous avons quoi?
Ah, nous avons un... Ah, mais c'est un truc de Mahjong, ça. Monolithe conflictuel. Pourquoi pas. Ou alors, c'est un truc de domino, je sais pas. Je dirais plus du Mahjong, quand même. Putain, qu'est-ce que c'est vieux, le Mahjong. Et putain, qu'est-ce que je comprenais rien. Bon, venez, vous. Ok, et là. Ok, parfait. Donc là, on a encore ça. 230, impeccable. Archive cosmique. Une carte... Une carte... Un disque... Mince. Oui, bah c'est ça, en fait. C'est un disque dur, en fait. Je sais pas, en fait, comment ça s'appelle. Je sais plus. Mais ouais, je vois, c'est les anciens disquets... Les disquettes Nintendo, voilà, disquettes Nintendo. Bah allez, hop, on est parti. Fouiller sous le niveau de Pikmin. Par contre, les 5 Pikmin restants, je sais pas où ils sont. Hein. Sauvegarde en cours, sauvegarde et données du jeu sauvegardées. Impeccable. Gîte des bêtes. Ok. Ah, ça c'est un œuf, ça c'est pour le nectar, ça. Ok, parfait. On a les Pikmin, un peu plus fleuris, ça fait plaisir. Hop, pétez ça. Là on a quoi? Là on a... Oh, hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Putain, qu'est-ce que c'est que c'était ça? Qu'est-ce que c'était cette merde? Pff, je sais rien. Les gens, je vous avoue, j'en sais rien, là. Bon, allez, pétez-moi ça, hop, ça nous fera du nectar en plus. Ok, parfait. La suite, là-bas. Non, ils sont en train de brûler encore. Ok, parfait. Et là, on a un Bulborb. Et là, celui-là, il va manger ses morts. Go, 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 allez, go, 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 Parfait, les gars, parfait. C'est parfait, je vous adore, continuez comme ça. Ah, là, on a un truc, là. Ah, mais on a encore... On peut refaire des... On peut refaire des Pikmin, incroyable. On peut refaire des Pikmin violets, les gens. Ok, donc à mon avis, les Pikmin violets, on ne peut que les dupliquer en transformant des Pikmin rouges, j'ai l'impression. C'est le seul moyen qu'on puisse en récupérer, donc... Ok, bon, attends, on va faire comme ça. Ok, parfait. Ok, parfait. En vrai, là, on commence à en avoir pas mal des violets, là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, voyons voir. Que je regarde. Ouais, donc, ok, donc la suite, c'est par là. Et bah, allons voir ça. Hop hop hop, on a pas tout le monde là. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah les gars, what the fuck? C'est pas le moment de se reposer là, faut y aller. Ah mais attends, j'ai oublié une carte ici. J'avais oublié une carte. Bon attends, on va faire le tour là, on va faire le tour des environs pour voir si on a pas loupé de trésor. Donc là-bas rien oublié, là-bas rien oublié.
Ok, 140, parfait, parfait. Bah j'ai l'impression que c'est tout, hein, parce que là-bas c'est fait, donc bah écoutez les gens, hop, on va pouvoir descendre, la suite, ça fait plaisir. Hop là, c'est parti, la suite. Bon, on connaît les gens, on connaît. C'est bon, on descend d'un étage, c'est parfait, hop. Sous niveau 5 les gens, et ça commence à faire beaucoup. Oula, qu'est-ce que c'est que ce machin là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon bah écoutez les gens, c'est parti! On a perdu tous les Pikmin violets, les gens. On a plus les Pikmin violets. Enfoiré! Tu m'as brisé mes Pikmin violets! Tu vas périr! Tu vas mourir pour ce que tu as fait, connard! Ouais, mais là, du coup, je suis niqué, en fait. C'est étrange, ce dispositif met une sorte de lumière noire. Cette créature a dû l'avaler. Quelle forme de vie repoussante, il me tarde vraiment de rentrer chez moi. Mais là, j'ai l'impression que je vais être baisé. Putain, la vache. Attends. Et lui, il en faut? Il en faut 20. Ok, donc lui, je peux pouvoir le récupérer. Putain, les gars, on a vraiment eu de la chance, hein. Oh, on a perdu tous les Pikmin. Oh, ce boss, il en a fait qu'une bouchée. On a perdu nos meilleurs acolytes. Les gens, ça se trouve, j'ai peut-être niqué le jeu, en fait. Oh, putain, ça me fait chier. Non, mais putain, mais ça se passait trop bien, les gens. J'ai trop pris la confiance, je suis dégoûté. Du coup, lui, je peux pas le récupérer. Prototype de détection. Ce dispositif réagit quand un trésor se trouve à proximité. Je vais le connecter à mon radar. Le traitement... est terminé, le senseur est complètement opérationnel. J'ai intégré à votre moniteur l'aiguille, ok, donc du coup maintenant on a un truc pour détecter les radars, ok. Ah oui, ok, il est là. Ouais, mais là du coup les gens, on a peut-être gagné ça, mais à quel prix du coup? Parce qu'on a perdu toute notre armée de Pikmin violets, les gens, on a plus de Pikmin violets, c'est terminé. Les Pikmin violets, c'était leur... ils ont fait deux épisodes, hein. Ils ont fait deux épisodes, les Pikmin violets. Bah ils ont... non, même pas, ils ont fait qu'un seul épisode. Oh putain, ça fait chier! Ouais, là du coup, depuis je. On a perdu 1000 là d'un seul coup là. Oh! Ça fait chier! Non, on en a perdu 83, ça fait extrêmement chier, c'est un truc de fou! Forêt de l'éveil. Et là, les gens, je sais même pas comment je vais réussir à en récupérer. Ça se trouve, il y aura des fleurs dans le chemin, mais voilà. Vous avez récupéré 20% de la dette. Ok, bah nickel. Parce que là, du coup, attends, comment ça se passe? Ouais, bah oui, parce que là, j'en ai plus que zéro. Oh, le cauchemar! Bah écoutez, les gens, on va en profiter pour cette fin d'épisode à farmer, en fait. Mais putain, ouais, je suis dégoûté. J'ai perdu nos meilleurs guerriers, quoi. Les Pikmin violets, putain, ils étaient trop forts.
Là, ça veut dire on peut plus. Là, ça veut dire les gens, on peut plus avoir les Pikmin bleus en fait. Parce que si on n'a pas les Pikmin violets, on peut plus rien faire. Putain, ça fait chier ça. Oh là là, merde. Ah les gens, j'avoue, là, je suis dégoûté, là. Là, j'avoue, les gens, je suis dégoûté, j'ai fait de la merde. Hein. Mais récupérez ce palais, OMG. Bon, bah, les gens, on a plus qu'à retourner à zéro, hein, écoutez. On a perdu nos précieux acolytes, hein. Ok. Et bah 32. 31, 32, ok. Bon, on va explorer les gens, on va explorer. Hein. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire, de toute façon, on a plus de pépines. On a plus que Mimine, ils sont tous morts. Le soleil se couche, dépêchez-vous. Oh, ça fait extrêmement chier les gens. Olimar, oui, le soleil se couche, rassemblez vos Pikmin, les animaux que l'on trouve la nuit, sont faire dangereux. On a compris, c'est bon, j'ai vu Pikmin 1. Allez. Mais je m'en fous. Ah, attends, j'ai un trésor, là. Attends. Attends, j'ai un truc dans le pot de fleurs, là. Attends, apparemment, j'ai un trésor là-haut. Ok, bon, je sais pas. Attends, parce que là, apparemment, j'ai un trésor qui est proche, mais... Il est où? Mais je comprends pas, il y avait un trésor ici, mais il est où? Il est enterré, genre? Je sais pas. Voilà, du coup, on a plus du tout de Pikmin violet, c'est horrible. Olimar, ça avance. Vous n'accomplirez jamais votre mission si vous restez les bras crasés. Pensez à maintenir R de temps à autre pour zoomer sur l'action. Connard, j'ai perdu mes Pikmin violets. Arrête de me faire la morale. Putain. On est en deuil ce soir, les gens. Putain. Là, je vous l'avoue, les gens, là, je sais pas comment ça va se passer pour les prochains épisodes. Faudra qu'on retourne dans la grotte, je pense, pour le prochain épisode, pour voir si on peut pas récupérer des Pikmin violets. Parce qu'en vrai, sans les Pikmin violets, les gens, on peut rien faire. Les gens, c'est sûr et certain, sans Pikmin violets, on peut plus avancer dans l'aventure, les gens. Donc, j'espère que les plantes violettes se régénèrent, sinon, c'est mort. Donc, on verra. On verra bien les gens, mais en tout cas les gens, ouais, bah c'est la fin de ce troisième épisode, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes, voilà on aura fait 40 minutes d'épisode à cause de la grotte, et ça c'est incroyable les gens. On verra bien pour le prochain épisode les gens, voilà, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, voilà, c'est la fin du live aussi les gens, j'espère qu'il vous a plu, ceux qui sont dans le chat Twitch, voilà. Ceux qui sont dans le chat Twitch, j'espère que ce live vous a plu. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à vous follow sur la chaîne Twitch, voilà, pour ne pas manquer les prochains épisodes et pouvoir interagir avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne VOD aussi pour ne pas louper les prochains épisodes de Pikmin 2. Voilà, et aussi revoir la série Pikmin 1 pour voir à quel point j'ai galéré. Voilà. Et puis voilà, je pense que on peut s'arrêter là-dessus. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ce live. Et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain live. Comportez-vous bien, c'était Dégamer France qui vous dit à l'épisode 4. Comportez-vous bien, à la Savista. Salut tout le monde!